Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super, merci. Pour ne pas changer, petit problème technique. Donc, on va essayer de faire venir François. Je coupe juste mon micro en attendant. On aura peut-être quelques minutes de retard, je vous laisse patienter. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. On a un petit problème technique, donc on est désolé. On est en train de faire venir François sur le Teams et on vous reprend. Encore désolé. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous entendez moi? Est-ce que vous nous entendez François? Est-ce que vous nous voyez? 5 sur 5. Ok. Super. Ok, vous m'entendez aussi. Est-ce que vous voyez une Rosalie des Alpes? Non, j'ai pas l'impression que ça marche pour le partage d'écran. Alors, dans ce cas-là, Si, je si, vais si, pas. attends, attends, attends. Ah. Attends, j'ai pas fait partage encore. J'attendais de. J'y vais. Je te l'envoie. Attends. Donc, en attendant, je vous souhaite la bienvenue sur cette troisième séance du cycle de webinaire de l'OPI, Inspect quand voir petit, c'est voir l'avenir. Donc, merci beaucoup à vous d'être encore une fois aussi nombreuses et nombreux à ce rendez-vous mensuel qu'on a lancé en avril. C'est vraiment à chaque fois un plaisir de vous retrouver ici, en ligne, hors réseaux sociaux, et vraiment d'être témoin de votre intérêt porté à notre association et à toutes nos actions qu'on mène avec grande passion pour la protection des insectes. Donc un grand merci pour votre engagement et votre curiosité qui compte beaucoup pour nous à l'OPI. Pour celles et ceux qui peut-être ne connaîtraient pas très bien notre association qu'est l'OPI, je vous invite donc à consulter à la fin de ce webinaire notre site internet donc qui est www.insectes.org. Je vous le mets tout de suite dans le chat.
Voilà. Donc ce soir, après une entrée dans le monde des insectes par l'observation et l'émerveillement en première session de webinaire et enfin par un passionnant focus sur l'histoire des relations entre les humains et les insectes, on vous retrouve cette fois-ci pour aller interroger une peur assez commune chez nous, les êtres humains, c'est-à-dire la peur des insectes. Donc pour essayer de comprendre d'où elle vient, d'où elle prend ses sources, cette peur-là, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui François Lasserre. Donc François qui est engagé en tant que vice-président à l'OPI, mais qui est surtout aussi un auteur, médiateur, formateur et vulgarisateur hors pair. Il participe grandement depuis quelques années maintenant à apporter plus de pensées critiques, notamment vis-à-vis des sujets environnementaux sensibles. Et donc juste avant de vous laisser embarquer avec François, quelques petites infos pratiques. Donc n'hésitez pas tout au long de la séance à réagir, à poser vos questions à l'écrit, donc directement dans le chat en ligne du Teams. Et François essaiera d'y répondre en direct pendant sa présentation ou durant les quelques minutes à la fin de la séance. Donc voilà, je vous laisse à présent avec François et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Merci Laetitia. Vous me voyez? Parce que moi je ne me vois pas. Vous me voyez, vous m'entendez? Des pouces, j'ai l'impression que oui. Ouais, c'est bon. Ils Ok. t'entendent et ils te voient. Et là vous avez le partage d'écran, plein écran, webinaire de l'OPI, tout va bien? Oui, ok. C'est bon. Merci Laetitia pour cette présentation. Et en dehors de mes activités bénévoles pour l'OPI, j'écris des livres, entre autres, je fais des conférences, des formations, de la sensibilisation, etc. Je suis du monde de l'éducation à l'environnement, la protection de la nature. Et j'essaye de parfois m'en détacher un peu pour avoir un peu plus de pensée critique, parce que parfois c'est pas facile. On va prendre environ 45 minutes pour voilà, j'échange. Laetitia m'enverra des questions s'il y en a pendant le chat et pendant le webinaire. Et à la fin, vous pourrez poser toutes vos questions. C'est un sujet énorme, la peur des insectes. C'est un sujet qui pourrait prendre, c'est un mélange de sociaux, de psycho, de philo, de biolo, de tout ce qu'on veut. Donc là, je survole, je vais survoler quelques pistes de pourquoi on a peur des insectes ou des arachnides. Je ne sais pas où vous en êtes côté classification, ce n'est pas très important pour moi, mais sur ces images, vous avez un arachnide, un myriapode et des insectes. Myriapode, premier gros mot, mille pattes. Il est à gauche de peur, mais ça fait partie des petites bêtes qui viennent jusque dans nos maisons et qui peuvent nous faire peur. J'ai mis, c'est vrai, des bêtes qui peuvent faire peur, et en fait, ça dépend vraiment de chacun et de chacune. Certaines sont terrorisées par des punaises, d'autres pas du tout, d'autres par des, etc., etc. On n'est pas tous égaux. Face aux petites bêtes. C'est un vaste sujet, mais est-ce que déjà la question, est-ce que c'est normal d'avoir peur des insectes? J'aurais envie de vous dire un grand oui. C'est complètement normal, en tout cas dans notre pays, dans notre culture, avec tout ce qu'on va voir, tout ce que je vais essayer de dérouler. Donc, on est d'accord, c'est des pistes, j'ai pas de vérité absolue. Parfois, je déborde aussi, je sors de mes domaines de compétences, j'en ai pas beaucoup, donc du coup, je déborde de temps en temps. Voilà, donc on n'hésite pas, on n'hésitera pas à échanger à la fin. Et c'est un sujet un peu grand. Je commence par, j'imagine que vous voyez tous, en gros plan, c'est un insecte. C'est un insecte comme une mouche, comme une blatte, comme une guêpe, comme tout ce que vous voulez, sauf que ça s'appelle un papillon. Et pour cela, il n'y a aucun souci. A priori, tout le monde est OK pour les aimer, quasiment. Je vais en reparler à part de certaines personnes qui ont des phobies. Mais sinon, cela, c'est OK. Et pourtant, un papillon, ben, c'est un insecte comme un autre.
Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça ressemble à un tissu? Est-ce que c'est parce qu'on nous a toujours dit que c'était joli aussi? On va revenir là-dessus. Et c'est vrai que par rapport à un autre insecte, comme par exemple cette mouche domestique prise en gros plan, oui, puisque de loin, elle peut être beaucoup plus sombre. Et en fait, les mouches domestiques, un peu celles qu'on voit régulièrement dans les maisons, sont un peu plus colorées quand on les prend en gros plan et quand on s'approche tout près d'elles. Et c'est vrai que si sur notre table se pose cet insecte, ben, en général, tout le monde va dire, oh, le joli, oh là là, le joli papillon. Je reviendrai là-dessus. Et quand à côté de lui se pose éventuellement cette mouche, ben là, on va la chasser d'un revers de manche, alors que d'un revers de main, alors que peut-être que les deux viennent d'une crotte d'ailleurs, parce qu'il y a des oiseaux, il y a des papillons qui vont lécher des crottes, qui trouvent des sels minéraux sur les crottes. La mouche pourrait être allée sur une crotte ou sur autre chose. Les deux sont allés sur des fleurs, puisque les deux participent à la enfin, mangent des choses qu'on trouve sur les fleurs, et du coup, ils participent à la pollinisation. Les deux font des choses finalement un peu similaires, leurs enfants sont différents. La larve de cette mouche va plutôt manger des détritus organiques, des déchets organiques. Et la larve du papillon va manger plutôt des végétaux, même s'il y a des chenilles qui font d'autres choses. Mais bon, ils sont assez similaires, mais notre comportement vis-à-vis d'eux n'est pas du tout le même. C'est quand même pas mal culturel. Une première piste de pourquoi on en a un peu peur parfois, je ne sais pas où vous en êtes, peut-être que vous n'avez pas peur du tout, et du coup, si vous êtes là... c'est peut-être pour approfondir le sujet. En tout cas, aussi, je veux vous dire que vous soyez des parents, du grand public, des oncles, des tantes, des parrains, marraines, des animateurs, animatrices, nature, etc. Tout ça, ça peut vous aider dans votre approche vis-à-vis du public, surtout si vous faites de la sensibilisation, que ce soit dans votre famille ou en milieu professionnel. Une partie, c'est que les insectes ont disparu à la fois pas mal des campagnes aussi. Vous voyez cette campagne, quand vous êtes entomologiste et que vous voyez ça, c'est pas un super endroit où on va rencontrer les insectes. Et puis évidemment en ville, je vous ai pris une grosse ville. Mais c'est vrai que le fait qu'on ait écarté l'immense majorité des animaux non humains, dont les insectes. Oui, parfois vous m'entendrez dire animaux non humains, c'est pas forcément intuitif, mais c'est pour décrire les autres animaux. C'est une autre façon de parler des autres animaux. Il y a nous et les autres animaux, ou les animaux humains, les animaux non humains. Et donc, dans nos milieux complètement aseptisés, très minéraux ou très taillés, cultivés, il y a de moins en moins d'insectes, de moins en moins de vie. Et moins on s'habitue à ce qui est la vie autour de nous, plus on est surpris quand elle s'approche ou quand elle est là. Je mets n'importe quelle personne un peu stressée des insectes dans un pays où il y a encore plein d'insectes qui volent un peu partout et où tout le monde s'en fiche, bah, très rapidement, au bout de quelques jours, on fait absolument plus attention. Et puis on se rend vite compte que la plupart des insectes qui s'approchent de nous sont complètement inoffensifs. Voire même ceux qui parfois nous piquent, bon, bah, peuvent nous piquer un peu et c'est pas très grave. Pour celles et ceux qui ont vécu dans des pays où il y a beaucoup d'insectes, vous le savez, on finit par complètement oublier. Alors que quand il n'y en a plus du tout, ben cette disparition là, dans les pays très industrialisés fait que quand il y en a, ben, ça peut nous inquiéter. Et on est quasiment face à l'inconnu, et je vois très souvent à la terrasse de café des personnes, quel que soit leur âge, devenir absolument complètement paniqué quand un bourdon, bon là c'est pas un bourdon des villes, mais quand un bourdon s'approche parce qu'il a senti un jus de fruit ou quelque chose de sucré qui ressemblerait pourquoi pas à un fruit ou une fleur plutôt. Et je vois encore ces mouvements de panique alors qu'un bourdon est complètement inoffensif, même si c'était une guêpe, c'est complètement inoffensif, et c'est parfois vraiment la panique, les chaises tombent, on n'est plus habitué à côtoyer plein d'insectes tout le temps, et quand un bourdon qui est assez gros et poilu s'approche, ben, en fait on est devant l'inconnu, on ne sait pas, et devant l'inconnu on est inquiet.
Et puis, c'est vrai aussi que certains insectes, comme par exemple les guêpes, je vais revenir là-dessus, rentrent aussi un peu parfois, s'approchent et rentrent dans notre bulle. Alors, on a tous une bulle plus ou moins grande autour de nous, mais c'est vrai qu'un non-humain qui rentre dans notre bulle, ben, on n'est plus du tout habitué à ça. Là, en général, la plupart nous fuient, mais surtout, il y en a très peu, il y en a beaucoup moins autour de nous dans les villes et dans les campagnes. Et les insectes qu'on ne connaît pas s'approchent parfois très proches de nous, et ça nous inquiète. On se dit, mais qu'est-ce qui me veut? Souvent, c'est un peu aussi nos comportements vis-à-vis des animaux non humains, ils ressemblent beaucoup à ceux qu'on a vis-à-vis des humains et des humaines. Je reviendrai là-dessus, mais c'est vrai qu'un humain ou une humaine qui rentre dans votre bulle, bah, ça va vous inquiéter, ça fait aussi ça. Alors, si en plus c'est une espèce différente de la vôtre et voire complètement inconnue, ben ça peut inquiéter davantage. Et dans ces milieux aseptisés, parce qu'en fait avant il y avait quand même plus d'insectes, on en mangeait aussi, y compris en Europe, il y en a de moins en moins, et disons, les seuls qui s'approchent dans ces milieux complètement un peu aseptisés, ben c'est ceux qui trouvent un intérêt. Comme par exemple nos déchets. Alors là, j'ai mis une blatte, c'est une blatte des jardins, elle ressemble aux blattes qu'on appelle des cafards, qu'on a fait venir dans nos transports et qui s'adaptent parfaitement dans nos villes en mangeant nos déchets alimentaires. Donc une bonne partie des insectes en plus ont été associés aux déchets, donc à de la saleté. Les déchets, ça peut être des poubelles, des déchets organiques, voire des cadavres de je ne sais quoi. Qu'il y a des blattes ou des larves de mouches. Et donc, les rares espèces qui s'acclimatent dans nos environnements sont pas mal liées depuis longtemps à la saleté. Ou si elles viennent là où il y a plein d'humains et d'humaines, bah, c'est parce qu'elles cherchent à nous piquer. Donc, on les associe pas mal à des piqûres et parfois à des problèmes de santé, puisque quelques-uns peuvent transporter ou nous embêter. Avec des maladies, pas beaucoup. Je vous mets donc une blatte, mais celle-là vit dans les jardins, elle ne vient pas dans les maisons, mais la blatte qu'on appelle un cafard, les blattes qu'on appelle des cafards viennent dans nos habitations. En fait, on les a fait venir de loin et elles ne vivent que de loin de pays plutôt chauds, et du coup, ces blattes-là en particulier vivent plutôt dans des bâtiments, sinon elles mourraient dehors. Des mouches dorées comme celle en haut à droite, et puis on avait encore, il n'y a pas si longtemps, la puce des humains. Il y en a encore sur les chiens, les chats, mais la puce des humains a un peu disparu. C'était une grande puce, mais effectivement, qui venait jusque dans notre intimité. Et donc, les rares espèces qui côtoient nos villes peuvent être ennuyeuses. Du coup, en partie pour ces raisons, les mots qui sont associés aux insectes sont généralement négatifs, voire quand on ne veut pas qu'ils soient négatifs. Je vais vous dire comment. Donc, c'est sale, ça pique, c'est dangereux, ça touche des maladies, ça peut apporter des maladies, c'est moche, etc. Sont souvent associés aux petites bêtes, aux insectes ou araignées, etc. Et parfois, en voulant bien faire, on va dire ne t'inquiète pas, ça ne pique pas, c'est pas dangereux, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Donc, on met du ne pas. Et en psychologie, on sait que le ne pas, au bout de quelques jours, on l'oublie un peu. Donc, si vous avez dit ce n'est pas dangereux, au bout de quelques jours, on va retenir plutôt le mot dangereux. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper difficile à faire et je vous invite à le faire le plus possible, mais ce n'est pas du tout intuitif, c'est à trouver des mots positifs pour décrire une bête. Même si vous-même vous êtes inquiété, c'est là où c'est pas facile. Et donc, plutôt que ce n'est pas sale, dites c'est propre. Surtout, et pas ne t'inquiète pas, c'est propre, parce qu'on a ajouté le mot t'inquiète, mais c'est propre, c'est inoffensif, plutôt que ça ne pique pas. Je la trouve jolie, là on tombe dans la subjectivité, mais peu importe, on peut mettre aussi notre subjectivité, je la trouve jolie, etc., etc. Et c'est pas du tout intuitif. Et du coup, depuis que vous êtes enfant, les temps changent quand même, on peut pas, il y a des parents maintenant qui sont moins violents vis-à-vis des autres animaux et les insectes.
Mais encore, les mots un peu négatifs. Donc pensez-y, essayez de mettre des mots positifs, puisqu'effectivement, une guêpe, par exemple, c'est inoffensif. Je vais revenir là-dessus. Le grouillement, les trucs qui grouillent, c'est un vrai sujet. Et plus des animaux sont nombreux, mais ça peut alors les pigeons, ça va, mais ça peut être pareil avec des oiseaux. S'il y a plus de pics l'année d'avant à un endroit, ben on va le remarquer. Et alors, quand il s'agit de petites bêtes dont on ne maîtrise pas les mouvements, qui vont un peu partout et qui grouillent, là, c'est un vrai sujet. Donc, il y en a un vrai sujet avec le grouillement. J'aurais pu peut-être vous prévenir, cette image est fausse, hein, ce sont des fausses fourmis, c'est Indiana Jones, je ne sais plus le combien, c'est une scène qui avait traumatisé un de mes fils. Effectivement, c'est beaucoup utilisé dans les films d'horreur, le fait que ça grouille, qu'on ne puisse pas le maîtriser et que ça puisse carrément, il y a des idées reçues qui disent qu'on peut être mangé par des fourmis, ce qui est faux, y compris des fourmis carnivores. Donc, c'est quand même vrai, il y a quelques espèces qui nous embêtent. Il y en a qui viennent nous chercher jusqu'à domicile. Ça dépend de qui vous êtes dans la vie, mais on va dire que si je vous demande quelles sont les espèces qui vous embêtent, on va dire qu'il y a une vingtaine d'espèces. Vous allez évidemment me dire les moustiques, les puces, les tiques, c'est des arachnides, mais peu importe. Et voilà, il y a une vingtaine d'espèces et en fait, on aime bien rappeler aussi à l'OPI que c'est sur environ 50 000 sortes d'insectes qui vivent en France métropolitaine. Donc finalement, il y a très 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 peu d'espèces qui nous embêtent. Si vous êtes agriculteuriste, vous pouvez avoir des problèmes avec d'autres animaux spécifiques à ce que vous exploitez, bien sûr. Mais si vous êtes des habitants des villes et que vous n'avez pas de métier en lien avec l'environnement, c'est... voilà. Donc en fait, c'est très peu. En revanche, ces espèces nous embêtent particulièrement et on va retenir particulièrement ces espèces. Et parfois, si on ne réfléchit pas, on a tendance à du coup stigmatiser toutes les autres. Donc en premier lieu, les moustiques qui viennent jusqu'à nous puisqu'ils sont intéressés à nous. Voire, ils deviennent carrément liés à nous puisque l'espèce moustique commun coévolue de plus en plus a priori avec Homo sapiens parce que on est parfait comme proie et du coup il nous préfère, a priori il nous préfère qu'à d'autres animaux parce que bien sûr les autres animaux se font aussi piquer par certaines femelles moustiques. Je dis certaines parce que toutes les espèces de moustiques ne nous piquent pas et tous les moustiques ne nous piquent pas. Mais le moustique commun est vraiment content de nous connaître. Donc lui, oui, parfois, et sous les pays tropicaux, quand on ne traite pas le paludisme, il peut y avoir environ 600 000 personnes, voire plutôt des enfants chaque année, qui meurent à cause du paludisme dans des endroits où on n'est pas soigné ni traité. Alors François, excuse-moi, je t'interromps. Il y a Guillaume-Marie commente « Tout ceci n'est-il pas culturel ? D'autres cultures, spiritualités prônent le respect du vivant et ce à juste titre. Nous avons été élevés en Occident dans une société où la dualité est partout, le bien, le mal, c'est à nous de changer cela. » Oui, ben justement, là je montre une image de notre culture. Donc moi je me place... Je m'adresse à des personnes qui sont en Occident, en France métropolitaine. Effectivement, notre culture, disons, peu importe son histoire, on pourra en parler bien sûr, mais à ce jour, le constat, c'est que les petites bêtes, c'est plutôt bof. Vous voyez, vous êtes né dans cette culture où les insectes sont rarement valorisés. Même dans la nuée en bas à droite, je ne sais pas si vous l'avez vu, il n'est pas vraiment... anti-insectes, parce que c'est un film un peu nouveau, c'est comme celui de Vermine. En fait, finalement, les araignées étaient sympas. Là, il y a eu un film en banlieue, pas tourné en banlieue, et qui finalement... Donc les films récents commencent à... Voilà, maintenant que tous ces animaux disparaissent un peu, ça change un peu. Et effectivement, on est né dans un pays qui était culturellement pas hyper attaché aux autres animaux, dont et notamment les petits qu'on trouve moches, dont certains piquent, etc. Je vais revenir là-dessus. Et puis vous êtes né aussi dans une famille
Donc, au sein de cette culture, vous êtes aussi né dans une famille. Alors, ça, c'est une famille d'hier. Voilà des familles d'aujourd'hui avec sa culture aussi. Et donc, il y a aussi la façon dont vous avez été élevé. Voilà, il y a des gens complètement tranquilles des araignées, d'autres, la plupart, plutôt stress, d'autres complètement tranquilles de ceci, de cela. Ça peut jouer aussi un peu sur vous. Donc, en fonction de votre famille, mais en général, en France métropolitaine, c'est au mieux plutôt le dédain, voire parfois vraiment le stress. Il y a encore beaucoup de stress vis-à-vis des petites bêtes. C'est quand même plutôt, voilà, plutôt la norme de pas d'être inquiété quand une petite bête rentre chez soi, s'approche ou qu'on la croise dans son jardin ou chez elle. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cet insecte-là, par exemple, qui vous a dit que c'était absolument sublime, que c'était inoffensif, que ça participait à la pollinisation. Donc ça, c'est quand je me place d'un point de vue intéressé, je suis bien content que des insectes pollinisent nos fruits et légumes. Qui vous a dit que ça permettait de nourrir des oiseaux, que les larves faisaient disparaître des déchets alimentaires ou des vers de terre parfois? Qui vous a mis cet insecte sous une loupe en vous expliquant sa vie, qui il était, etc. Donc le manque de sensibilisation, d'éducation à l'environnement, parce qu'en fait, tout le monde est concerné par ça, donc si on n'aime pas les insectes et on en a peur, on n'a pas de velléité à le faire découvrir de façon positive. Et donc c'est extrêmement rare d'avoir été élevé, en tout cas dans notre pays, avec quelqu'un ou quelqu'une qui nous dit que cette chose est merveilleuse ou que cette araignée est absolument sublime. Qui vous a dit, mais oh là 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 là, là mais quelle beauté là, je me retourne pour voir son diadème là sur le dos. Oh, et puis ses poils aux pattes, toutes ses pattes, mais oh là 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 là, mais qu'est-ce, c'est pas une éperce, ça tient, viens, viens, va me chercher une loupe, viens, on s'approche, etc. Ça commence à venir dans les familles un peu d'aujourd'hui, quand même, mais c'est encore hyper rare. Alors, en revanche, les bébés chats, les canaris, les poussins jaunes, etc., eux prennent tous nos compliments, on est complètement fans, et moins les petites bêtes. Alors, ça s'explique aussi, est-ce que c'est ça? Non, je vais revenir là-dessus. Et je ne vais pas parler là de vraies phobies qui sont des traumas. Hein. J'ai mis un papillon dit de nuit là parce que je sais que certaines personnes ont des phobies totales des papillons de nuit ou d'autres choses, mais en fait, c'est plutôt des névroses qui se sont reportées en général sur des animaux qu'on n'aime pas trop quand même, que la culture en tout cas n'aime pas trop. C'est un peu plus rare d'avoir une phobie d'un un petit poussin jaune. Mais j'exclus les phobies parce que c'est vraiment quelque chose de psychologique et c'est très particulier. Donc ce seraient des névroses qui se reportent sur un agent, comme ici, un truc. Mais il y a des études qui montrent aussi que plus le regard d'un animal non humain, ici un bébé phoque, ressemble au regard des humains, et je vous ai mis cet artiste, vous verrez, vous comprendrez pourquoi, eh bien, plus on serait, disons, empathique, plus on aurait une capacité d'empathie. Et donc, ceux qui ont un regard sont un peu proches de nous, phylogénétiquement parlant. Donc, plus notre ancêtre est commun avec un animal non humain, plus on serait en empathie. Alors, en premier lieu, avec des chimpanzés, mais on a l'impression de se regarder. Et puis, d'autres primates que nous. Et puis, jusqu'à ce phoque, un mammifère, qui est quand même assez proche de nous. Et plus on s'éloigne dans l'arbre généalogique, plus c'est compliqué pour nous d'avoir de l'empathie. Comme ce poisson, par exemple, c'est un peu plus compliqué pour nous d'avoir de l'empathie, au point que certains végétariens et végétariennes peuvent manger du poisson, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Surtout si on le fait parce qu'on ne veut pas manger d'animaux ou parce que c'est pour des questions de bien-être. C'est vrai qu'on a plus de mal à s'identifier avec un poisson et peut-être que les insectes seraient encore un peu trop éloignés de nous. Et du coup, c'est plus difficile d'être en empathie. Alors,
Là, en s'approchant de cette abeille sauvage, on lui voit quand même un visage, mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qu'on ne fait pas, c'est que c'est ça que le dédain concernait aussi le fait qu'il soit tout petit. C'est vrai que la petitesse, c'est quelque chose de petit et parfois aussi moins valorisé, donc ça peut être aussi quelque chose qui participe à ce dédain, et donc on est rarement face à face avec une abeille, c'est un peu plus loin, c'est bizarre, c'est très différent de nous. Et donc, comme pour plein d'autres sujets dans la vie, que ce soit, je sais pas moi, le Covid, la politique, n'importe quoi, ben les animaux non humains ne sont pas épargnés par les idées reçues, les infox, les mythos. Ça c'est clair. Et moins on connaît un sujet, plus les idées reçues farfelues peuvent circuler, puisque personne n'y connaît rien, et donc ça peut circuler facilement. Alors qu'une idée reçue sur un sujet qu'on connaît très bien, elle est souvent tuée dans l'œuf. On va tout de suite dire, bah, n'importe quoi. Alors que quand une idée reçue concerne des animaux non humains, et en particulier les insectes qui sont méconnus, qui nous font peur, qui sont mal vus dans notre culture, ben, elle se diffuse beaucoup plus facilement. C'est plus. Et puis, c'est sympa, un petit truc qui sort de l'ordinaire. Si en plus, on n'aime pas trop les insectes, ben, on est très content, voire on est même content de colporter une idée reçue. Donc, les chenilles poilues seraient soi-disant piquantes, les frelons seraient soi-disant dangereux, etc. Les idées reçues, il y en a vraiment beaucoup. Et plus l'animal est mal aimé, plus les idées reçues sont nombreuses, comme par hasard. Donc, si je prends le cas, un des pires, c'est les araignées, des arachnides. Là, sur les araignées, on en mange la nuit, elles pondent sous la peau, etc. Enfin, elles sortent des canalisations, etc., etc. La liste est très longue. Alors que les idées reçues sur les coccinelles ou sur les mésanges bleus, ben, il y en a quand même un peu moins. Et ça, c'est une proportion qu'on a. Est un peu moins chouette, moins sympa avec, et je vous invite toujours à penser à faire le parallèle avec les humains et les humaines. Plus des humains et des humaines sont différents de nous, bizarres, par rapport à nous, en tout cas différents de nous, plus on aura tendance à accepter des idées reçues et parfois négatives. Et puis ce que je vous ai pas dit peut-être aussi là, c'est que quand on rencontre un animal non humain, quel qu'il soit, on rencontre une autre culture. Donc déjà, quand on rencontre une autre culture d'humain qui vit à l'autre bout de la Terre de façon très différente de nous, ben on a nos idées reçues, nos idées préconçues, et parfois on a du mal à les accepter complètement comme ils sont. Et alors quand ça dépasse l'espèce, quand ça dépasse notre espèce, voire quand c'est très éloigné de nous, donc quand cette culture est très éloignée de nous, quand on rencontre un bourdon, on rencontre une autre, ou un frelon, on rencontre une autre culture, et plus cette culture est éloignée de nous, plus c'est compliqué pour nous d'interagir, d'être en empathie et d'avoir des idées assez positives. Il y a un truc. Soit, il y a une Oui? petite question sur une slide d'avant, sur le papillon que tu as montré. Malena demande l'espèce de ce papillon. Alors, Est-ce que tu saurais? je crois que c'est une carte géographique, c'est un individu de carte géographique, mais bon, voilà. Mais je peux le, en, je peux, je sais d'où vient l'espèce, mais je suis pas hyper fort en papillon. Je crois que c'est une carte géographique. Ça marche, merci. Je te laisse ça. Un truc hyper important, et c'est toujours. Essayez, n'hésitez pas à toujours faire le parallèle avec les humains et les humaines. Beaucoup d'insectes ou d'arachnides ou de mille pattes, c'est vraiment un délit de sale gueule. Pourtant, vous le savez, entre humains et humaines, on se dit pas le physique, c'est pas de sa faute si cette mouche est comme ça sur Terre, c'est pas de la faute si un humain ou une humaine est comme ça. Donc on sait que se moquer du physique, c'est complètement. C'est pas rationnel puisque la personne n'y peut rien. Eh bien, c'est pareil avec les animaux non humains, ils n'y peuvent rien. Je vous ai mis une photo de mouche qui, avec nos critères, n'est pas forcément la plus glamour du monde.
Et pourtant, quand on est un peu entomologiste, on reconnaît une mouche taquinaire. C'est une mouche qui parasite d'autres insectes, donc qui nous permet d'avoir moins d'autres insectes qui nous embêtent. Vous la voyez, elle est sur une fleur. Donc, comme toutes les mouches, quasiment toutes les mouches, elles participent à la pollinisation, elles nourrissent des oiseaux, etc. Et puis, elle peut aussi, dans les choses qui peuvent nous plaire, parce que n'oubliez pas que les rôles, c'est presque toujours auto-centré sur nous, égocentré, anthropocentré. Il n'y a pas de rôle dans la nature distribué par quiconque. Et ces insectes que je vous montre peuvent se trouver en ville et nous apportent aussi plein de vie en ville. Mais n'oubliez pas ça, c'est que souvent, ce qu'on essaye et donc de corriger chez les humains et les humaines, donc par exemple pas le physique, mais avec les autres espèces, on se lâche complètement. Et plus cet insecte est méconnu, plus on en a peur, plus on est inquiété, plus il y a d'idées reçues, ben plus on aura tendance à dire ben, être dans le délit de sale gueule. Regardez, je vous le montre avec cet insecte qui lui est aimé a priori par tout le monde. Peut-être qu'il existe des personnes phobiques des coccinelles, j'en sais rien. J'en ai jamais rencontré. Et puis, si je vous mets à côté cette mouche bleue, par exemple, eh ben, on n'aura pas le même. Et pourtant, objectivement, la coccinelle est un terrible prédateur qui vide ses proies des pucerons en leur aspirant l'intérieur. Cette mouche n'attaque personne puisqu'elle pond sur des déchets organiques. Donc du coup, elle nettoie d'une certaine façon, elle participe à la pollinisation, la coccinelle ne participe pas à la pollinisation, mais c'est vrai qu'elle nous permet d'avoir moins de pucerons. Mais vous voyez, si on est un peu objectif et qu'on dépasse le physique, eh ben, à la limite, moi je préfère avoir des mouches bleues que des coccinelles dans mon environnement. C'est pas très rigoureux ce que je viens de dire, mais vous voyez, si on essaye d'être rationnel, et ce que j'essaye de vous dire aussi dans tout ces... Depuis le début, c'est il en va évidemment notre peur des insectes d'irrationalité beaucoup. Et si je vous mets une autre mouche, donc là je vais rester chez les mouches, je vous mets deux mouches, et ben on va peut-être avoir tendance à préférer celle de gauche, même si elle ressemble un peu à une guêpe et que si on est inquiété des guêpes, mais voilà, le fait d'être coloré, le fait d'avoir des critères qui vont plus dans nos critères esthétiques, et ça c'est très culturel, si vous allez dans d'autres pays, il y aurait d'autres critères esthétiques, ben, c'est vrai que si vous êtes noir et poilu, voilà, on va peut-être avoir plus, on va être plus inquiété et on va peut-être plus se méfier de vous. Pareil, quand on rencontre un staphylin, un grand staphylin odorant dans un jardin, ben, en général, on s'inquiète, voire on va le tuer, voire enfin, on va pas l'approcher, il va un peu nous inquiéter, alors que, ben, en fait, c'est chouette d'avoir des staphylins dans les jardins. Évidemment, ils sont inoffensifs, aucun staphylin ne va venir vous embêter. Alors que quand on croise une petite libellule bleue, ben là, tout de suite, on est un peu moins stress, on est un peu plus détendu, on va laisser les enfants s'approcher ou quiconque s'approcher, alors que le staphylin, si quelqu'un avait voulu mettre la main ou quelqu'une avait voulu mettre la main, ben on lui aurait. Et si je fais le pas, enfin, là, j'ose pas quand même trop faire le parallèle, mais c'est vrai que moins on est coloré, moins on est sombre, c'est vrai que le noir, la densité, quelque chose qui est moins coloré, moins. Eh bien, ça va nous inquiéter aussi, je ne sais pas, là je vous le dis depuis le début, hein, je sors quand même de mes domaines de compétences, mais le fait qu'un insecte soit tout noir, si en plus il a des poils, ben voilà, on va être un peu plus inquiété qu'un insecte tout rouge, par exemple. Ça va moins, vous voyez, deux coléoptères, un rouge et un noir, faites le test, vous approchez le rouge, les gens vont peut-être le regarder, vous approchez le noir, ils vont peut-être se reculer. Alors que les deux ont la même biologie, par exemple. Ça n'aide pas d'être sombre ou tout noir. Il y a un truc qui n'aide pas, c'est nos biais de raisonnement, j'en parlerai aussi. Et par exemple, avec le frelon velouté ou frelon à pattes jaunes, il y a un biais qui s'appelle le caractère vivant de l'information. C'est que plus une information est vivante, plus il y a des images qui circulent, etc., plus on va l'adopter.
et on a moins tendance à aller chercher des études, à approfondir un sujet. Et en fait, plus une info est vivante et présente autour de nous, on va se contenter de ce qui vient, de ce qu'on entend, et à vite faire des généralités à partir d'anecdotes qu'on entend. Et donc là, c'est typique avec le frelon à pattes jaunes, on entend plein de choses, et on a tendance à les accepter assez facilement. Et ça, c'est un biais qui est reconnu. Alors que si on se pose et qu'on approfondit le sujet frelons à pattes jaunes, ben en fait, on se rend compte qu'ils sont là, que ça ne sert à rien de lutter contre ces frelons, qu'ils sont inoffensifs, qu'ils sont mangés désormais par d'autres animaux, donc ils font partie dans ce qu'on appelle les pauvres la chaîne alimentaire. Donc il y a des bondrées apivores comme ici qui peuvent manger des frelons à pattes jaunes. Donc frelons à pattes jaunes, frelons veloutés, qu'on soit tous et toutes d'accord, c'est ce qu'on appelle de façon très raciste et stigmatisante les frelons asiatiques. Voilà. Donc en voilà un à droite que j'ai photographié environ à 2 cm, mais si vous faites des photos de frelons, vous savez qu'on peut s'approcher tout près d'eux. En dehors du nid, ils sont complètement inoffensifs. Ils sont mangés désormais par plein d'animaux qu'on aime bien, donc les bondrées ou des mésanges, et eux-mêmes mangent d'autres animaux qu'on n'aime pas trop, forcément. Là, j'ai mis une pyrale du buis, par exemple, ou des guêpes communes. Les guêpes qui vivent en nid sont attaquées par les frelons à pattes jaunes. Mais ça, c'est quand on approfondit un sujet. Et souvent, on a une espèce de flemme, parce qu'en fait, les biais de raisonnement, c'est quand même, au départ, c'est quand même. L'évolution nous les aurait apportés parce que ça nous permet d'économiser un peu d'énergie. Et donc penser coûte. Mais dès qu'on creuse le sujet frelons à pattes jaunes, on peut aller se rendormir tranquille tout seul. Ils sont là, ça ne sert à rien de lutter, ils sont inoffensifs, point barre. Et parfois, certaines personnes peuvent être ennuyées dans leur activité. Donc évidemment, là, je parle des apiculteurs et des apicultrices. Mais par certaines populations et certains individus à certains endroits. Mais si on n'est pas apiculteur, apicultrice, détester ou dire quoi que ce soit ou colporter des informations fausses sur les frelons à pattes jaunes ne sert strictement à rien. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait que quelques espèces qui nous ennuyaient parmi l'immense quantité d'insectes qui vivent autour de nous. Et je vais même jusqu'à vous faire réfléchir sur le fait que, y compris au sein d'une espèce qui pourrait nous embêter, ben en fait, on n'est quasiment jamais embêté. Les guêpes ne nous piquent pas. Si je suis sûr et certain que parmi vous, il y en a qui n'ont jamais été piqués par des guêpes, ça, il y en a, j'en connais, voire ont été piqués peut-être 4 fois par des guêpes. Sauf si on est tombé sur un nid, évidemment, mais si on compare au nombre de guêpes, pardon, qui nous côtoient chaque année, ben en fait, d'un point de vue un peu rationnel, on ne se fait pas piquer par les guêpes. Donc toutes les guêpes adoreraient, comme cette Audrey, par exemple, donc je sais que celle-là n'a piqué aucun humain et humaine, et pourtant elle est vite stigmatisée parce qu'elle est jaune et noire. Et toutes les guêpes et plein d'insectes rêveraient que, avant d'avoir peur, vous fassiez une petite équation avec un P pour les probabilités. C'est la formule de Bayes. C'est un mathématicien qui a trouver cette formule, et en fait, on l'appelle presque la formule du savoir. Et quand on a un raisonnement bayésien, quand on utilise la formule de Bayes, ben on est un peu plus rationnel. Et en fait, quand une guêpe approche, si notre cerveau arrivait à être plus fort en probabilité, il serait complètement détendu à l'approche d'une guêpe. Parce qu'en théorie, il sait qu'on est côtoyé par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de guêpes chaque année, que les piqûres se comptent sur les doigts de la main. Et qu'en fait, finalement, loin de leur nid, il ne se passe rien, qu'à chaque fois qu'il y a des guêpes tout l'été autour de nous, ben, il y a peut-être une ou deux piqûres max, et qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et pourtant, à cause de cette stigmatisation, donc à partir d'anecdotes, certaines personnes se sont fait piquer par un individu, et
ça fait presque une généralité et on dit que les guêpes piquent. Ce qui est faux, elles pourraient, on ne met jamais le conditionnel, les guêpes pourraient piquer. Vous verrez que, remarquez ça, le conditionnel n'est jamais mis. Qu'est-ce que ça fait une guêpe? Ça pique. Non, ça peut piquer. C'est déjà très différent. Et effectivement, ça peut piquer dans certaines circonstances. Parfois, on ne les comprend pas, les circonstances, mais voilà, la plupart du temps, on les explique. Et avoir un raisonnement bayésien, ça aide à avoir un petit peu moins peur. Mais comme on n'a pas ce raisonnement bayésien, rarement avec les animaux non humains, bah du coup, on est stressé. Alors, il y a ce schéma qui est plus ou moins rigoureux que vous trouvez sur Wikipédia. C'est le codex des biais cognitifs. Bon, chaque item que vous voyez serait un biais de raisonnement. Ils n'ont pas tous été vérifiés scientifiquement. Et puis surtout, les biais, on dit que c'est 20 à 25% de nos pensées qui seraient un peu biaisées. C'est vrai. Et en tout cas, ces biais sont là. L'évolution nous les a apportés. Certains nous ont servi, ne nous servent plus. D'autres sont quand même utiles, etc. Enfin, c'est à prendre avec, c'est un sujet en lui-même, c'est à prendre avec des pincettes. C'est normal d'avoir des biais. Ça permettait aussi, par exemple, le biais de stigmatisation ou le fait de stigmatiser tout un groupe, bah, ça permet d'économiser de l'énergie. Vous voyez, parce que s'il fallait penser pour chaque individu d'un groupe, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, c'est une espèce de raccourci mental qui nous fait économiser de l'énergie. Et avec les non-humains, nos biais sont... sont à la fête. Donc, surestimer les faibles probabilités qu'une maladie arrive, qu'une morsure arrive, qu'une piqûre arrive, on est hyper fort pour ça. Si vous stressez quand une guêpe arrive, vous êtes typiquement dans ce biais. Idem pour le biais de stigmatisation et de stéréotypes. Avec les non-humains, on est ultra stigmatisant souvent. Et du coup, ça n'aide pas. Du coup, comme on a stigmatisé toute une population, ben, toute cette population nous fait peur. Je termine avec ça. Je pourrais vous parler encore pendant des heures. Vous savez que dans cette espèce-là, il y a des personnalités et une individualité. Et je vous ai mis en bas le nom de l'artiste. C'est l'artiste que je vous ai montré tout à l'heure. Angélica Das, elle est brésilienne et en fait elle a photographié des humains, des humaines et elle a pris la couleur de leur peau et l'a mise derrière avec le nom de la couleur en graphisme, donc Pantone 39C, etc. Et donc c'était pour montrer qu'il n'y avait aucune couleur identique chez les humains et les humaines. Donc vous savez, chez cette espèce, il y a des individus et des personnalités. Vous le savez aussi au sein de cette espèce-là, vous savez qu'il y a des individus et des personnalités, et que vous ne pouvez pas tous les traiter de la même façon. Vous ne pouvez pas avoir peur de tous les chiens, vous ne pouvez pas avoir peur de tous les humains et les humaines. Eh bien, c'est un peu pareil chez les insectes. Ils ont aussi leur personnalité, et je fais la transition avec le dernier article de la revue Insectes, de l'OPI. Si vous tournez votre tête à gauche, vous voyez ce gendarme, qui a comme une espèce de visage sur son corps. Quand vous penchez la tête, vous voyez qu'il y a des yeux, des petites larmes, il y a deux petites larmes qui coulent, une espèce de nez triangulaire, une bouche, vous voyez les taches noires, là ça fait un peu un visage. Si vous penchez la tête, vous voyez ces ronds, ces larmes, etc. Et si je vous mets ses copains et ses copines en haut à gauche, regardez les trois en haut qui sont en haut, il y en a absolument... Il n'y en a pas un qui est pareil. Donc ça, c'est physiquement, les insectes sont physiquement tous différents, mais chaque cellule, y compris des êtres unicellulaires, ne sont pas identiques. Il y a des variabilités en permanence, donc ils ne sont pas identiques physiquement, et aussi en caractère. Et en fait, quand vous rencontrez un individu, il ne va pas forcément se comporter de la même manière. Vous rencontrez des individualités, des individus qui ne sont pas tous et toutes... les mêmes, et du coup, vous ne pouvez pas non plus appliquer votre stress à l'ensemble des individus d'une population parce qu'ils ne vont pas tous se comporter de la même façon. Ils ne sont pas tous aussi jeunes ou vieux. Les vieux ne se comportent pas tout à fait pareil que les jeunes, etc. Bon, là, je vous emmène un peu loin, mais l'individualité des insectes, c'est top. Et j'en profite pour... Peut-être que quand j'enlèverai ma caméra... Ouais, je m'arrête là parce que je vois que je suis... pile dans les temps.
Et je fais la transition avec le dernier numéro de la revue Insectes qui parle de la personnalité des insectes, justement. Et je ne sais pas si vous connaissez cette revue. Avant de la montrer à la caméra, Laetitia, je te laisse nous... Tu veux dire quelque chose sur cette... Non, bah déjà, merci beaucoup François pour cette présentation passionnante et très claire. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir avec des pouces ou des cœurs pour dire si ça vous a plu. Il nous reste encore un peu de temps, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les mettre directement dans le chat. Voilà, profitez-en d'avoir François Lasserre en direct pour poser toutes vos questions. Que vous auriez. Ah ben voilà, le fameux. La dernière Voilà, revue. j'ai fait une transition. Le dernier numéro de la revue Insectes, qui est une revue éditée par l'OPI depuis bien longtemps. Et il y a un article sur la personnalité des insectes, justement à l'intérieur. Et c'est vrai que ça met à mal pas mal d'idées reçues et ça surprend même encore et toujours des entomologistes. C'est écrit par Michel Renoux. Donc, si vous souhaitez vous abonner à cette revue, donc c'est un trimestriel pour info, il faut aller sur notre site internet, donc qui est juste ici, insect.org, dans notre boutique en fait. Hein. Et donc, vous avez un prix spécial adhérent également si vous adhérez à l'OPI. Donc voilà, n'hésitez pas, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours, vos remarques ou s'il y a des questions sur ce qu'a dit François qui vous viennent un peu plus tard, à nous envoyer un mail à l'adresse communication@insectes.org. On y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à relayer ce cycle de webinaires sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Instagram, notamment sur Facebook, Twitter. Voilà, c'est toujours un plaisir de voir que ce travail-là, il part auprès de vos communautés aussi. Donc, n'hésitez pas à nous taguer. Comme ça, nous, on relaie, on partage. Et ça fait grandir la communauté au niveau de l'OPI. Donc, cette vidéo-là, ce webinaire, sera disponible en replay. Ouais, François, tu veux dire... Non, vas-y, vas-y, parce qu'il y a des questions, on a encore un peu de temps. Ah, hein. Ok. Alors, je finis juste pour vous dire que ce replay-là sera disponible sur notre chaîne YouTube, donc il y a OPI TV, donc il sera disponible dans environ une semaine à 10 jours. Je vais vous mettre le lien directement de la chaîne YouTube dans le chat pendant que François répond aux dernières questions. Je vois une question de Flo qui dit est-ce que les questions de spécisme, alors on va peut-être juste expliquer ce qu'est le spécisme, c'est cette croyance comme quoi il y aurait des différences entre les espèces et en général une hiérarchie et l'espèce humaine serait au-dessus du lot et les autres espèces moins. On est dans une société spéciste puisqu'on se comporte comme si les autres animaux pouvaient... être nos choses, voire nos aliments. Donc, on est dans une société spéciste, et donc il y a le terme spéciste, et quand on est contre ce spécisme, on est antispéciste. Donc, ben, oui, c'est un beau sujet, mais on est déjà spéciste vis-à-vis de mammifères, puisqu'on mange des cochons ou des vaches, qui sont parfaitement, qui sont quasiment comme nous. Donc, oui, de toute manière, on est spéciste. Mais ça commence dès les mammifères. Donc, du coup, quand on en vient aux insectes, bah là, voilà, la considération, ça rejoint un peu ce dédain, bah elle est moindre. Est-ce que j'ai répondu? Trop beau votre t-shirt. Merci, Christine. Oui, alors, Je rappelle que l'OPI vous invite à signaler des insectes tout autour de... Voilà, et surtout cet été si vous croisez des insectes, parce qu'il y a des insectes dont on ne connaît pas trop l'aire de répartition en France, à commencer par les lucanes cerfs-volants, les rosalies des Alpes, et puis d'autres. Et donc, si vous voyez une rosalie des Alpes, c'est ce coléoptère-là, ou un lucane cerf-volant, même s'il est mort, vous le signalez à enquête d'insectes. Si vous tapez « enquête Lucane » ou « enquête Rosalie », vous allez tout de suite tomber sur le lien et il suffit, il n'y a pas de compte à créer, vous la signalez, c'est géolocalisé
Et ça permet à l'OPI d'avoir, et au muséum, d'avoir une carte de répartition des lucanes ou des rosalies. Alors, il y a d'autres insectes, mais ils sont un peu moins faciles à reconnaître dans les enquêtes d'insectes. Mais n'hésitez pas si vous voyez des lucanes morts ou vifs, et même si vous voyez une tête de lucane qui a été mangée par un corvidé, par exemple, parfois on ne retrouve que les mandibules et la tête, vous le signalez quand même, puisque c'est quand même un indice de présence. Il y a mon collègue d'ailleurs, Hugo Joss, qui vous a mis le lien du site internet où vous pouvez directement enregistrer vos observations. Donc, ouais, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, à ce sujet, il répond à la question sur le papillon. Donc, en fait, le papillon de nuit qu'a montré François, donc c'était bien un bombyx du chêne. Et il y avait un papillon de jour également, et qui était bien la carte géographique. Voilà, pour information. Ok. Donc voilà, donc on va vous laisser et pour information, vous pouvez le noter dès à présent dans vos agendas. On vous donne rendez-vous le mercredi 24 juillet pour la 4e session de webinaire. Donc pareil, à la même heure, à 18h30. Et donc là, ça sera avec Pierre Zagatti, qui je crois est avec nous ce soir, donc on le salue, qui est entomologiste de l'INRAE, donc aujourd'hui à la retraite. Hein, et il nous parlera des insectes en lien avec les écosystèmes. Donc, comme pour aujourd'hui, pour s'inscrire, c'est directement sur notre site internet avec le lien d'inscription qui est directement dessus. Et n'hésitez pas, si vous avez des remarques, à nous les envoyer à communication@insectes.org. Et en attendant la prochaine session de juillet, on vous souhaite une très bonne soirée. Et merci encore à vous de nous soutenir et d'être présents sur ces webinaires. On espère que ça vous a plu. Ok. Et pour prolonger, je vois qu'il y a une bonne question sur sur la perception des insectes, etc. N'hésitez pas à me contacter sur voilà, n'importe quel réseau social. Et j'ai mis mon mail plus haut dans le chat. Donc pour prolonger tout ça, parce que c'est un énorme sujet et qui peut aider, surtout si vous avez des personnes à sensibiliser, ou un public ou une famille. Super. Ben merci François, merci tout le monde. Merci Laetitia. Bonne soirée, au revoir. À bientôt tout le monde. À bientôt.